Que ferais-tu? Que ferais-tu si tu serais à sa place? Si tu subissais tout ça? Si tu te faisais bousculer dans les couloirs? Si tu te ferais insulter à tout bout de champ? Que ferais-tu si on te faisait surquiller ton numéro? Qu'on parlerait de toi quand tu serais à côté? Qu'on te pointerait du doigt à longueur de journée? Que ferais-tu, dis-moi? Serais-tu aussi forte, aussi courageuse que toutes les personnes qui le sont et qui subissent ça au quotidien? Et si on te poussait, on te ferait supporter des choses que personne n'a à supporter, que ça durerait des années, que ça nuirait à ta vie sociale, à ta confiance en toi, à ton moral au quotidien? Que dirais-tu à ces personnes-là? Qu'il faut faire comme si de rien n'était? Comme si ces personnes-là étaient invisibles? Et si on a déjà essayé, mais que c'est impossible? Et si ça prenait trop d'ampleur, et qu'un jour, tu te retrouves totalement seul contre le reste du monde? Ne dis pas que tu t'en fous. Ne dis pas que ça ne t'atteindrait pas. Ne dis pas que ça ne t'arrivera jamais. On ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Si tu le subiras un jour ou pas. Peut-être qu'un jour, tu seras aussi dans cet état. Dans ce tracas, et tu n'arriveras pas à t'en sortir. À trouver la sortie. À arrêter de pleurer jusqu'à en avoir des migraines. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'obstines à penser que ce sera tout le monde, sauf toi? Et puis même, si ce n'est pas toi, pourquoi tu ne les aides pas? Pourquoi tu ris quand ça arrive devant toi? Pourquoi participes-tu au mouvement de la classe quand on lui jette des bouts de gomme dans les cheveux? Pourquoi ne vas-tu pas la voir, la rassurer, la consoler? Pourquoi ne cherches-tu pas à comprendre, à te mettre à sa place? Tu ne le fais peut-être pas exprès, mais ça pourrait être ton petit frère, ta petite sœur. Et dans ce cas-là, tu dirais quoi? Certes, il faut passer au-dessus de tout ça. Mais quand c'est là depuis quelques années déjà, comment veux-tu essayer encore une fois de t'en sortir? Comment pourrais-tu en avoir l'envie, la simple détermination? Sans vraiment le vouloir, tu la pousses, au fond du gouffre, petit à petit. Même si ça ne part pas de toi, tu en fais partie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu es spectatrice de tout ça, et peut-être qu'un jour, tu seras complice de sa mort.